Aujourd'hui, j'ai réalisé un nouveau défi. Un défi qui n'a jamais été réalisé auparavant. Réaliser la nucléaire sur tous les Call of Duty, mais uniquement au pistolet. Ceci est le 5e challenge ultime de la chaîne YouTube. Et pour être 100% honnête avec vous, le défi le plus complexe d'entre tous. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car des surprises, il va y en avoir. Des rebondissements dignes de Game of Thrones. Mais avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. On est si proche des 200 000 abonnés, et c'est l'objectif avant 2025. De lâcher votre meilleur pouce bleu si ce concept vous plaît encore. Et si on atteint les plus de 1500 likes en moins de 24 heures, je vous ferai le prochain défi ultime sur Call of Duty Black Ops 6. En plus du potentiel défi Gotaga qui est éventuellement prévu, quoi qu'il arrive. Et si on pouvait faire péter le record de likes sur la chaîne YouTube pour ce défi unique en son genre, ça serait incroyable. Et n'oubliez pas également de partager la vidéo à tous tes amis, autant sur Facebook que sur Twitter, Snapchat, TikTok, etc. etc. Mais avant que la vidéo ne commence, cette vidéo est sponsorisée par World of Warship. Oh, t'es quand même censé connaître le jeu... Quoi, tu connais pas le jeu? Bon, laisse-moi te le présenter. World of Warship est un jeu de tir tactique qui se joue en équipe et qui est gratuit en plus, avec trois types d'armements différents. L'artillerie de bord, les torpilles et les avions. Mais ce n'est pas tout! World of Warship possède plus de 650 navires de guerre historiques. Et ils sont répartis entre 13 nations différentes. Là, pour le coup, t'as l'embarras du choix. Sans oublier de parler des destroyers, des cuirassés, les croiseurs, les porte-avions et les sous-marins. Chaque classe t'offre une nouvelle expérience de jeu. Et tout ça dans une qualité graphique la plus optimale d'entre tous. Sans parler le nombre de variétés de cartes incroyables et des conditions météorologiques qui n'arrêtent pas d'évoluer. Tout ça pour te faire vivre la meilleure simulation des guerres navales que possible. Et évidemment que vous pouvez inviter vos potes et faire la meilleure escouade qui existe sur le jeu. Et que ça soit vous ou votre escouade, vous ne risquez pas de vous ennuyer sur World of Warship. Vous avez sans cesse du nouveau contenu sur le jeu, comme des événements uniques en collaboration avec des groupes de musique, d'autres jeux, il y a carrément des animés aussi. Également de nouvelles missions, des offres uniques lors des fêtes. Alors, qu'est-ce que t'attends pour jouer à World of Warship? Télécharge le jeu via le lien dans la description ou en commentaire épinglé, et tu reçois en plus de ça un pack unique et exceptionnel qui vaut normalement 25 €. Il va conquérir le champ de bataille. Et je remercie évidemment World of Warship de soutenir la chaîne YouTube. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ce 5e challenge ultime est le défi le plus difficile que je n'ai jamais eu à faire. Comparé au défi nucléaire sur tous les Call of Duty en moins de 24 heures ou uniquement au sniper, ce défi est beaucoup plus complexe. Pour vous rendre compte de la difficulté de celui-ci, j'ai mis un mois à pouvoir rassembler tous les gameplays nécessaires à travers les différents jeux de la licence. Même si certains Call of Duty sont plus simples que d'autres, certains gameplays nucléaires sont des défis exceptionnellement durs à réaliser. Je tiens également à rappeler un élément important. Black Ops 1, Black Ops 2, Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 4 ne feront pas partie de cette vidéo, puisque ces jeux-là ne possèdent pas la bombe nucléaire. Et pour Call of Duty Mobile, il ne fait pas partie de la lignée traditionnelle de la saga Call of Duty. Donc je l'exclus également. Allez, c'est parti! Je débute directement avec le dernier Call of Duty sorti de la saga Modern Warfare 3 2023. Je ne vous le cache pas, j'ai direct pris le Renity avec son kit de conversion. Si vous connaissez l'arme, vous savez que suite à la mise à jour de la saison 3, l'arme était redevenue intéressante à y jouer autant sur le multiplayer que sur Warzone. Et pour la difficulté du défi, j'ai décidé de vous poster le gameplay avant la mise à jour de la saison 4, c'est-à-dire avant qu'on obtienne la DNA bombe à 25 kills et les strikes illimités, pour ajouter un peu de piquant. C'est-à-dire que le gameplay nucléaire au pistolet a été réalisé dans les conditions de jeu les plus difficiles. C'est parti, le gameplay est sur Emergency en QG, l'une des meilleures maps pour jouer au pistolet. Je réalise très rapidement ma série sanguinaire, d'ailleurs j'ai tué 4 fois le même type en quelques secondes. Je fume un mec couché qui essayait de capturer le point, et là, boum, moins 4 dans le point avec en plus en prime le mec qui campait au-dessus des toilettes. Je réalise le start parfait. Bon après faut dire que l'arme est bien broken. J'en retue un sur la position. Je veux assurer la bisat et je réalise un double kill en plein middle map pour finalement tuer le dernier survivant. Je débloque ma bisat et c'est parti, le show peut enfin commencer. J'attends qu'on détruise le QG pour la lancer. Le QG est détruit et je débloque la bombe IUM. Maintenant mes adversaires n'ont plus d'ATH et sont constamment vus sur la mini-carte. Je tente de réaliser un maximum de kills que possible pour rentabiliser les strikes et étant donné qu'on est sur Emergency, tout peut aller très très vite. Je vais me retrouver sans visat à 5 kills de la bombe nucléaire. Je décide donc de rester à côté du point, puisqu'il y a un respawn juste à côté et des petits couloirs. Et finalement, je réalise facilement mes 5 kills pour débloquer la nucléaire. Comme j'ai pu le dire un peu avant, le Renity avec le kit de conversion était vraiment surpuissant quand j'ai commencé le défi. Pour ainsi dire, j'ai réalisé un plus de 100 kills et bombe nucléaire dans cette même game. Modern Warfare 3, c'est terminé, je passe au prochain Call of Duty, et dans la lignée des jeux récents, je m'attaque à Call of Duty Black Ops Cold War. Je
Je vous avoue que pour Call of Duty Black Ops Cold War, j'avais très clairement un éventail de choix incroyable pour la réalisation du défi. Entre le 1911, le Magnum, le Diamati et l'AMP-63, tout était très clairement envisageable pour jouer avec. Mon choix s'est toutefois porté avec l'AMP-63. Pistolet mitrailleur sorti en milieu d'année, l'arme se comporte un peu comme une mitraillette et est très dévastateur au pur corps à corps. Au niveau de mes séries de points, j'ai évidemment enlevé la machine de guerre pour la remplacer par un drone. Toutefois, j'ai gardé le canon à main, parce qu'en soi, c'est un pistolet. C'est l'annihilateur de Call of Duty Black Ops 3 et Call of Duty Black Ops 4. Et ça reste dans la thématique de la réalisation du défi. Je me retrouve en démolition sur Slums. Le début de première mi-temps fut assez laborieux jusqu'à un certain point. En fin de première manche, je commence à réaliser le tout début de ce qui va être ma série nucléaire. En jouant avec des déplacements droite-gauche dans leur spawn, je réalise une petite série de 7 sans mourir. Début de deuxième mi-temps, j'ai un objectif en tête. Jouer volontairement avec la petite maison à droite et de m'y installer. Les attendre un par un et les confronter au pur corps à corps. Je commence à m'y installer et je défonce toutes les personnes qui auraient l'imprudence d'entrer dans ce bâtiment. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de bien gérer les déplacements de mes adversaires. Je les vois tous au fond du spawn, je décide de push les spawns avec l'annihilateur, même si j'ai eu un petit coup de frayeur à un moment donné. Je retourne dans la petite maison et je réalise un double kill. Un mec me push sur le côté droit et je le fume. Je vide mes dernières balles de l'annihilateur sur 2 ennemis. On me repush sur le côté droit, décidément il était déterminé à cut ma série nucléaire. Je décide donc de ne plus bouger de la maison. Je réalise un premier kill, un deuxième kill. Je vois qu'ils sont tous au fond du spawn, je poche le spawn adverse, je fais un nouveau kill qui me permet de débloquer l'annihilateur, j'en fume un et mes adversaires apparaissent juste devant moi. Et boum, la triple kill tombe pour débloquer la bombe nucléaire sur Call of Duty Black Ops Cold War. Honnêtement, de tous les Call of Duty, ce n'est pas le jeu le plus difficile de la licence. Les pistolets sont vraiment forts sur ce jeu, contrairement au prochain jeu. Le prochain, lui, va me donner du fil à retordre, aka Call of Duty Vanguard. Là, on commence à parler de difficulté. Ce n'est pas le plus difficile d'entre tous, mais comparé aux deux autres Call of Duty, la barre est bien plus haute. Déjà, on n'est plus sur un pistolet mitrailleur, mais un pistolet coup par coup, et plus précisément, le RAT. Il s'agit du meilleur pistolet du jeu en termes de recul, cadence de tir et en portée de dégâts. En gros, c'est le pistolet le plus polyvalent du jeu. Toutefois, en 2024, il commence à devenir difficile de trouver beaucoup de joueurs en ligne. Rien que la recherche de lobby dès la matinée est très frustrante, puisqu'on peut en avoir pour plus de 20 minutes. Sans oublier évidemment de rappeler que je vais très souvent croiser les habitués du jeu qui n'ont jamais lâché le jeu. Il m'aura fallu plusieurs jours avant que la V2 Rocket soit réalisée. Et sur une map que je ne m'y attendais absolument pas. Decoy en domination. Une des maps que j'ai le moins joué sur le jeu. Même configuration que pour Call of Duty Black Ops Cold War, un début de game plutôt assez compliqué, je n'arrive pas à dépasser une série de 10 éliminations sans mourir. Puis en mid-game, je commence ma série sur une quad feed. Ça n'annonce que du bon. Ça. Je vide complètement le spawn en faisant 2 kills supplémentaires. Je fais un kill middle map qui a failli me coûter la vie. Je me rends compte que la zone autour de A est le meilleur endroit pour enchaîner les kills. Ce sont des zones avec des couloirs assez étroits qui me mettent bien en avant. Je n'ai qu'à être bien positionné. Mon but va être de tuer chaque adversaire qui se retrouve isolé, sans avoir un seul coéquipier à côté de lui. Avec cette stratégie, je débloque très vite les chiens d'attaque et la visate. Les adversaires veulent reprendre A, ce que je laisse faire, ça m'arrange. J'en profite juste pour les tuer un par un, comme ça ils réapparaissent juste à côté de moi. Je suis en série de 18 et c'est là où ça commence à devenir compliqué. Je les enchaîne, certes, mais je n'ai plus de munitions. Donc chaque fight commence à devenir très dangereux. Je n'ai pas le droit à la moindre erreur. De plus, je n'ai plus beaucoup de temps, je dois forcer. Je réalise mon 22e kill, mon 23e kill, mon 24e kill, pour finalement tuer un campeur au fond du spawn et débloquer ma V2 Rocket. Ça s'est joué de très peu avec les temps, mais au final, le défi sur Call of Duty Vanguard est confirmé. Je peux passer au prochain Call of Duty. Mais celui-là sera beaucoup, beaucoup plus difficile. Ah, Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Seigneur, c'est toujours une torture mentale et physique de retourner sur ce genre de gros jeu de psychopathe. Pour le bien même de ma santé mentale, je me suis même empiffré de la première boîte de tramadol et de morphine que j'avais sous la main, pour éviter un quelconque traumatisme psychologique. Vous le savez, si vous suivez régulièrement la chaîne YouTube, je n'ai pas du tout aimé ce jeu. Enfin, après, qui a aimé ce jeu aussi? C'est le seul jeu Call of Duty dont j'ai dû consacrer seulement 3 à 4 jours de jeu grand maximum, lorsque habituellement j'y consacre minimum 12 à
13 jours de jeu. C'est pour vous rendre compte à quel point je hais ce jeu. Du coup, j'ai dû demander des conseils aux personnes qui avaient saigné le jeu et me proposer le meilleur pistolet. Et majoritairement, la réponse fut le P890. Un pistolet au coup par coup. Extrêmement dévastateur au corps à corps, même si la vie est assez basse sur Modern Warfare 2. Maintenant, le souci, ce n'est pas le pistolet, c'est le jeu en lui-même. C'est un jeu extrêmement lent, bourré de matchmaking bien puissant, sans parler qu'on peut débloquer qu'une seule fois notre série d'élimination en une seule vie. Des spawns catastrophiques, des maps catastrophiques, je peux continuer à faire une liste si tu veux. Bref, je pourrais continuer à lister en quoi ce jeu est mauvais, mais ce n'est pas le but de la vidéo. J'ai tenté de faire le défi en solo sans l'aide d'un pote pour réaliser le défi. Grave erreur. 2 jours après le commencement du défi, j'étais déjà en train de compléter le formulaire pour entrer dans l'hôpital psychiatrique à proximité. Du coup, un pote est venu m'aider, sinon je sentais que j'allais craquer mentalement. Il m'aura fallu 3 jours pour qu'elle sorte enfin. J'ai réalisé énormément de fails avant qu'elle ne tombe. On tombe sur la map Embassy. En domination. Une map plutôt assez moyenne en taille, mais qui est remplie de petits couloirs. Exactement ce que je recherchais avec mon pistolet. Début de game catastrophique, aucun allié ne capture, les spawns tournent de partout au point même que le début de ma série débute sur un mec qui spawn devant moi en plein middle map, quand je vous dis que ce jeu est complètement éclaté. Et tout d'un coup, sur le point A, je vais faire un joli enchaînement, 7 kills pour être exact en quelques secondes. Je vais complètement fumer tout ce qui est autour de la position. J'en profite pour réaliser 2 kills supplémentaires en plein middle map et je débloque ma vie SAT. Au point même où je décide de sortir du bâtiment, tous les adversaires respawnent derrière moi. Je réalise encore un double kill, puis le spawn se situe encore une fois derrière moi. Non mais t'inquiète, hein, les spawns sont bons. Je refais un double kill avec un long shot à 100% de précision, et étant donné que j'ai la visat actif, c'est le moment d'en profiter et de faire un maximum de kills que possible. Je fais un premier kill, un deuxième, un troisième, un quatrième, presque un cinquième qui m'a presque fallu la mort. Je push le spawn C pour profiter des derniers instants de la visat qui me permet de gratter encore 2 kills. Je suis en très bonne série et je commence un peu à stresser. Je prends l'initiative de jouer ma nuque avec plus de sécurité. Je balance ma meilleure Semtex sur un joueur bouclier, je chope un kill sur la position B, un autre sur le côté de la map, puis son collègue qui m'attendait dans les escaliers. J'attends la même personne en haut des escaliers qui me traquait pour finalement le zigouiller. Je suis en série de 25, en brutal. La pression commence à monter sévèrement. Je fais un double kill au niveau de la position B, un au pistolet et un à la grenade. Je tue un AFK, très clairement j'en profite. Je défends la position A, je suis à 1 kill de la bombe nucléaire. Mon allié va piquer le kill au pire des moments, mais au final... Let's go, je l'ai, c'est bon. Merci. Allez, ça c'est fini. Je débloque cette foutue bombe nucléaire sur Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Cela aura été très laborieux, mais c'est terminé. Je peux passer au prochain Call of Duty. Et mon choix s'est porté vers... Call of Duty Infinite Warfare. Ah, le Call of Duty qui peut te faire galérer pendant des heures et des heures juste pour un défi. Je dois avouer qu'avant le début du défi, j'avais des a priori très négatifs à la réalisation de ce défi. Infinite Warfare est toujours l'un des Call of Duty qui peut réellement te faire passer un enfer sur Terre et te faire regretter d'être venu sur le jeu en 2024. Mais pour le coup, c'est absolument tout le contraire qui va se passer. Pour ceux qui ne sont pas au courant, pour obtenir la bombe nucléaire sur Infinite Warfare, il faut avoir une arme nucléaire. Et pour une fois, la chance est de mon côté. J'ai découvert des années après l'existence d'une arme que je ne connaissais pas du tout, mais pas du tout, l'UDM. Il s'agit d'un pistolet avec des munitions de sniper, mais ce n'est pas tout. Ce pistolet, il est spécial car en réalité, il est surpuissant. Alors pourquoi je ne connaissais pas l'arme? Parce que généralement les armes secondaires sur Infinite Warfare étaient essentiellement boudées sur le jeu, dû au système d'Atomizer Strike sur les armes. Si tu faisais 1 kill avec ton arme secondaire, elle ne comptait pas dans ta série nucléaire puisqu'il faut faire 25 kills uniquement à l'arme pour l'obtenir. Ce fut une très bonne surprise de découvrir cette arme sur le jeu. Et il aura fallu 1 heure de jeu pour que la nuque tombe. Oui, 1 heure, c'est ridicule. Ce fut la nucléaire la plus simple de tout le défi. Je vais équiper l'arme d'un chargeur de grande capacité, d'un silencieux et d'un viseur réflexe. Et c'est parti, direction match à mort par équipe sur la map frontière. Map parfaite pour moi car elle est remplie de petits couloirs, ce qui me rendra encore plus dangereux avec mon arme. Je commence à bien les enchaîner en plein middle map, et le 3ème kill m'a fait réellement peur. J'en chope un dans le bac, je fais tout le tour du spawn pour flank 2 types middle map, je fais un push middle, je chope 1 kill, un deuxième, un troisième et un quatrième. J'ai pas trop confiance envers mes alliés qui ont push le spawn, du coup je regarde derrière et effectivement, mon instinct avait raison. Le spawn avait tourné.
Je débloque l'Abyssat et c'est parti pour se faire plaisir. Je réalise 6 kills durant cette phase, mais je suis encore assez loin de la Désatomiseur Strike. Je décide de jouer la sécurité et je temporise. La game n'est qu'à son début et j'avais large le temps devant moi. Je récupère un kill gratuit sur le côté et 2 kills sur des joueurs adverses qui m'ont pêché. Je suis qu'à 1 kill d'avoir ma prochaine Abyssat et à 5 kills de la Désatomiseur Strike. Je prends le risque de retuer le même campeur et c'est bon, je débloque l'Abyssat. C'est mon moment, je les back dans leur spawn. 3 kills réalisés. Je suis à 1 kill de la Désatomiseur Strike. Et... Allez, Désatomiseur. Ça, c'est fait! Ça, c'est fait! Eh ben putain, j'aurais cru que ça soit plus compliqué. Vraiment, je fus surpris de la facilité du défi. Je m'attendais que ça soit beaucoup plus complexe que ça. J'étais très heureux de finir Infinite Warfare aussi rapidement, mais forcément, il y a un Call of Duty qui est forcément là pour gâcher la fête. No, God! No, God, please, no! 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 Ah, le Call of Duty de la honte, aka Call of Duty World War 2. Vous savez, quand je retourne sur les anciens Call of Duty, je me remémore à chaque fois les points positifs du jeu, même pour certains jeux assez désagréables. J'arrive toujours à voir quelques points positifs. Mais ce jeu, à chaque fois que j'y retourne, je me demande si m'arracher les ongles des pieds un par un n'est pas moins douloureux que de jouer à ce gros jeu de merde. Je rappelle juste un truc. Call of Duty World War 2 est le Call of Duty le plus catastrophique de la licence jamais créé. J'ai mis sérieusement 2 semaines. 2 semaines pour mettre la V2 roquette. Mais pour le coup, c'était aussi un peu de ma faute. J'ai commis 3 erreurs. Première erreur de ma part, j'ai décidé dès le début de jouer avec le pistolet 1911, que je pensais être le meilleur de sa catégorie pour être totalement honnête avec vous, lorsqu'en réalité, ce n'était clairement pas le cas. Après quelques visionnages de nombreuses vidéos sur YouTube, je suis passé au pistolet P08. Alors, même si le pistolet est bien meilleur, la mire est tellement à gerber. Et le pire, c'est que je ne peux même pas mettre un viseur réflexe dessus. Je suis obligé de le jouer ainsi. Deuxième erreur de ma part, j'ai décidé dès le départ de jouer avec la division infanterie, qui me permettait d'avoir des accessoires supplémentaires. Sauf qu'il y a une division beaucoup plus intéressante. La division résistance, qui me permet de savoir où sont les adversaires proches de moi, de brouiller leur radar et d'afficher des ping radars après avoir tué un adversaire. Troisième erreur de ma part, qui est liée à la deuxième erreur, je n'avais jamais passé le prestige 1 sur ma division résistance. Ah oui, parce qu'il faut que je vous fournisse une explication, parce que pour ceux qui n'ont jamais joué à Call of Duty World War 2, ça c'est assez important. Sur Call of Duty World War 2, il y a des prestiges de division. Chaque prestige de division te permet de débloquer plusieurs choses, comme par exemple des atouts. Et pour avoir la nucléaire sur Call of Duty World War 2, la V2 Rocket, à l'époque, il fallait forcément être prestige 1 sur toutes les divisions de base. C'était une bombe nucléaire secrète sur le jeu. Et ben figurez-vous que lorsque vous passez prestige 1 avec la division résistance, vous débloquez un atout qui vous permet de suréquiper votre arme secondaire et en plus, munitions illimitées avec celui-ci. Oui, oui, illimité. Plus besoin de chercher des sacs de pillards sur des cadavres. J'ai direct passé mon prestige sur la division sans même hésiter. Vu que désormais le jeu est constant double XP autant pour les armes, les niveaux de base ou le niveau des divisions. Et ce fut directement plus facile au point même qu'au bout de la 5ème game, je rate la V2 Roquette à 1 kill à cause du temps. Ce n'est que le lendemain, en solo, que je réalise la V2 Roquette sur Gigabatar. Oui, je sais, la map ne s'appelle pas ainsi, mais c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque vu comment elle rendait dingue. Je commence ma série sur le côté gauche de la map. Le but est de chercher les petits couloirs étroits, pour être en position de force. Je suis très vite en série sanguinaire. J'attends un adversaire dans les escaliers, et je tue l'adversaire sur C. Commence à me traquer de plus en plus, et je me vois dans l'obligation de jouer avec eux avec des déplacements intelligents. Heureusement que la mi-temps arrive. Ouais, parce qu'il commençait à vraiment venir en masse. Ce qui va me permettre de pouvoir respirer un peu. La deuxième mi-temps commence. Je tape mon meilleur sprint middle map pour les devancer. Ce qui va être une stratégie payante. À ce moment précis, je sais exactement quoi faire. Je dois absolument réaliser encore quelques kills puis m'installer au fond de leur spawn. Les prendre un par un et être intelligent au niveau de mes déplacements et de mon positionnement. Et c'est ce que je vais faire. Je suis installé dans leur spawn maintenant et je prie fort qu'aucun allié décide de prendre la position A. Je commence à instaurer une petite phase de spawn kill, mais je fais tout pour rester discret et éviter de trop attirer l'attention sur moi. Je suis avec un pistolet et je n'ai clairement pas l'avantage, et encore plus sur ce jeu de malheur. Je fais des droites-gauche sur le côté de la map. Ma pire frayeur est arrivée. Mes alliés avaient capturé la position A. Mais heureusement que les spawns n'avaient pas tourné. Je les spawn kill et je suis à 1 kill de la V2 Rocket. Je commence à stresser comme jamais. Je fais le tour et au final... Je la mets enfin!
enfin 2 semaines pour mettre cette V2 Rocket. Je vais pas vous le cacher, j'étais heureux et soulagé d'avoir défié ce défi sur ce Call of Duty. Mais je m'étais réjoui un peu trop tôt, car le prochain jeu, lui aussi, m'aura donné beaucoup de mal. Call of Duty Advanced Warfare. Avant même que je commence le défi, j'étais dans l'optique que le défi serait facile à réaliser. Et je me suis, mais très largement trompé. Ce fut l'un des Call of Duty les plus trash à faire. J'ai testé tous les pistolets possibles du jeu, et celui qui me paraissait être le meilleur était l'Atlas 45. Il était le pistolet le plus polyvalent des 4. Toutefois, il n'était très clairement pas foufou ce pistolet. Et je me disais que quelque chose n'allait pas. Je trifouillais dans ma cervelle, enfin ce qu'il en restait à cause de World War 2, et j'avais dans la tête un autre revolver qui était sorti en tant que arme DLC. Jusqu'à qu'un de mes potes me dise où trouver l'arme, le M1 Irons. En fait, il était dans la catégorie des armes spéciales, des armes principales. Je te dis bonne chance pour le trouver si tu ne savais pas. Mais là, clairement, je joue avec une arme beaucoup plus puissante que l'Atlas 45. Le M1 Irons se comporte comme un magnum, mais avec une cadence de tir bien supérieure, des dégâts très intéressants, et en plus de ça, une capacité de tir au jugé hors pair. Mais ça, je ne l'ai découvert qu'une semaine après avoir débuté le défi sur le jeu, et il m'aura fallu une semaine supplémentaire pour réaliser cette fameuse DNA bombe sur la map Green Band. Je commence ma série en faisant un gros push middle, puis je tue un homme serpent, je flanque le même campeur qu'au début de game, je réalise un long shot, oui je sais, j'ai un sacré bon shoot quand même. Maintenant, l'objectif, c'est de rester dans ce petit bâtiment et de les tuer un par un. Je n'ai pas vraiment le choix, c'est la seule manière possible de pouvoir enchaîner un maximum de kills tout en étant avantagé par mon positionnement. Je ne peux vraiment pas me permettre de rush comme je le souhaite, je suis déjà en série de 10 et la game se passe vraiment bien pour moi. Et là, les problèmes vont un peu commencer. Je ne vais rien réaliser que 2 kills lorsque le drone va être activé. Je réussis à récupérer un kill middle map et je retourne à ma petite maison. Mais au bout d'un moment, mes adversaires ont très vite compris que je les attendais. Du coup, j'ai dû changer en fait de tactique et venir les chercher intelligemment. Je n'ai clairement plus le choix puisque le temps joue contre moi aussi. Je dois débloquer mon drone le plus rapidement que possible pour compenser ce retard. Je débloque le drone et je suis en série de 20. Je n'ai plus le choix, c'est le moment ou jamais. Cette fois-ci, je dois rentabiliser mon drone. C'est ce que je fais et je débloque aussi la bombe IEM. Ils sont cloîtrés à terre. J'obtiens la médaille brutale, je ne suis qu'à 5 kills de l'objectif. Et là, le stress commence à monter. Même si j'ai du temps devant moi, je dois faire très attention. Je retourne vers la petite maison et je réussis à gratter 3 kills. Il me manque plus qu'un kill pour valider le défi. Et évidemment... Oh! Let's go! Je réalise enfin la bombe nuke sur Call of Duty Advanced Warfare. Ce jeu m'aura fait suer comme jamais, mais qu'est-ce que j'étais heureux d'avoir pu réaliser ma toute première DNA bombe uniquement au pistolet sur ce jeu. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour Call of Duty World War 2. Mais maintenant, vous le savez, si je suis retourné sur Advanced Warfare et Call of Duty World War 2, il y a un certain Call of Duty dans les parages. Un Call of Duty qui est la hantise pour toute personne qui veut réaliser ce genre de défi. Vois de quel Call of Duty je parle ? Ah. Call of Duty Ghost. Seigneur, ce jeu. Le jeu démoniaque quand il s'agit de faire des défis. Et là, vous avez hâte de me voir jouer sur ce Call of Duty, hein ? Vous avez hâte de me voir rager comme jamais ? Vous avez hâte de me voir souffrir comme jamais ? Eh ben, je vais casser tout suspense. Le défi est impossible à faire en 2024. C'est nul ! Alors, non. Laissez-moi vous expliquer de pourquoi ce défi est impossible en 2024. Le premier point est celui-ci. Les pistolets de Call of Duty Ghost sont les guns les plus éclatés de toute la saga Call of Duty. Ils sont nuls à chier. Dites-vous que le meilleur pistolet du jeu a un TTK 3 fois supérieur à celui de la Honey Badger. 3 fois supérieur! Ça veut dire que quoi qu'il arrive, même si j'ai le premier shoot, j'ai plus de 80% de chance de perdre mon gunfight. Ça n'a aucun sens! Et ce n'est pas pour rien que 95% des gameplays nucléaires ou records du monde au pistolet sont faits dans un mode très spécifique. A ton avis, lequel? This is the PDW pistol. It is so shitty. I hate this pistol. You may disagree with me, but whatever. He is totally insane. He goes off. He gets 102 kills. And this is on the map Strike Zone, playing solo, hardcore domination. L'hardcore. 95% des gameplays nucléaires au pistolet sur Call of Duty Ghost
sont faits en hardcore. Parce que le pistolet est tellement éclaté que c'est le seul mode de jeu dans lequel tu puisses réaliser cette nucléaire. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que toutes les best class setup sur YouTube, aucune vidéo de gros joueurs multiplayer, de vrais gros tryhards, ne mettait de pistolet dans ces classes. Car ce n'était absolument pas utilisable. Les seuls 5% des gameplays nucléaires réalisés sont en domination en groupe de 6 à bloquer les spawns ou en mêlée générale à tourner dans une certaine zone. Je te donne dans le mille, ces modes de jeu ne sont plus disponibles en 2024 sur Call of Duty Ghost. Il n'y a plus personne qui joue dans ces modes-là sur le jeu. Dites-vous, pour avoir fait des tests le plus haut pic de joueurs en ligne, dans le mois du test, c'est 180 joueurs. C'est ridicule! Il n'y a plus personne! Et encore, pour être sûr que le défi soit vraiment impossible à réaliser ou non, je suis également parti sur PlayStation 3. Oui, puisque Ghost PlayStation 3 et Ghost PlayStation 4 ne possèdent pas les mêmes serveurs. Ce sont deux communautés différentes. C'est exactement le même problème et en pire, puisque le jeu est encore plus moche. Et là, tu me dis, mais pourquoi pas essayer de partir avec un VPN serveur US pour tomber contre plus de monde? C'est ce que j'ai essayé de faire. Pour la première fois de ma vie, j'ai payé un VPN pour Call of Duty. Sauf qu'évidemment, le problème s'est amplifié à cause de la latence. Vu que je joue avec une arme éclatée qui a 3 fois le TTK des fusils d'assaut ou des mitraillettes. Le l'ajout de la latence supplémentaire n'a fait qu'empirer la situation. Pour vous donner un ordre d'idée, vous savez il y a combien de nucléaires au pistolet en solo sur Call of Duty Ghost sur YouTube? Zéro. Il y en a zéro. Ce défi est impossible dû au fait qu'il n'y a plus personne sur le jeu. Call of Duty Ghost est complètement mort en 2024 pour ce genre de défi. Et justement, j'aimerais vous en parler en fin de vidéo. Et si je pensais que les problèmes étaient terminés avec ce jeu, ce n'était très clairement pas le cas. La tromperie est le nerf de la guerre. Oh là 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 là, quel Call of Duty légendaire, dont mon top 3 des plus grands Call of Duty de la saga. Ce jeu était incroyable. Cependant, je n'ai pas eu l'accueil que j'aurais voulu avoir dès la première game. Waouh. Génial! Ouais, on m'a reset tout mon compte niveau 1. Alors crois-moi que j'étais dans un certain état de colère. Et surtout que j'avais toujours le même problème avec le vrai Modern Warfare 2. Impossible de me connecter dessus sur mon compte. Jusqu'à que je fasse un appel à l'aide sur Twitter pour régler ce problème. Et deux followers sont venus m'aider. Un m'a expliqué pourquoi en fait je ne pouvais plus jouer sur mon compte principal sur Modern Warfare 2. Et qu'en réalité j'ai été banni du jeu par un hacker. Mais que je n'aurais plus aucun problème pour y jouer si j'allais sur un autre compte. Ah ces hackers, ils sont vraiment trop sensibles. Dès que quelqu'un débarque et leur pète le cul, ils veulent directement les bannir. Le problème, c'est que je n'avais pas un autre compte monté niveau max. Et c'est là que mon sauveur va débarquer. Et avant même la fin de vidéo, je veux un tonnerre d'applaudissements pour cette personne dans l'espace des commentaires. Il va me rank max mon compte qui a été reset sur Modern Warfare 3 et également mon nouveau compte sur Modern Warfare 2 pour que je puisse continuer la vidéo. Vraiment, tous les héros ne portent pas forcément une cape. Il a sauvé toute la vidéo. Et étant donné que j'étais sur Modern Warfare 2, j'ai commencé par celui-ci et voulu en finir très rapidement pour éviter de me retrouver de nouveau dans cette même situation. L'avantage de Modern Warfare 2, c'est la nucléaire la plus facile de toute la licence. Suffit de débloquer très rapidement mes séries de points. Je décide de jouer avec la PP2000, pistolet mitrailleur le plus polyvalent du jeu. J'ai longuement hésité de jouer avec d'autres pistolets mitrailleurs et en fin de compte, après une ou deux heures de prise en main, ça me paraissait être le meilleur des choix. Évidemment que les mêmes problèmes des anciens défis débarquent. Je tombe sur des hackers, sur des personnes remplies d'ego qui ne veulent pas se manger la nuque donc m'éjectent de leur game quand je suis en série nucléaire. Enfin, le train-train quotidien quand tu joues à Modern Warfare 2. Toutefois, la nucléaire va tomber très vite sur la map Wasteland, une map absolument pas dédiée au pistolet. Je réalise un premier kill dans le tunnel et je fais très attention à mes déplacements. Pour le coup, je cherchais mes adversaires. Je refais un kill à l'entrée du tunnel, un dans leur spawn, un dans les tranchées, puis deux de nouveau dans le tunnel. Je suis à un kill de la dave. Je suis à un kill de la dave que je réalise à l'entrée encore du tunnel. Je lance mon arrié, je réalise un kill avec le bombardement et un autre alarme. Je me cache et profite du fait que mon arrié fasse des kills. Je débloque le mitrailleur hélico et c'est parti pour se faire plaisir. Vu que je suis sur Wasteland, qui est la carte la plus ouverte de Modern Warfare 2, ça va être une pure boucherie. Ils ne peuvent mais strictement rien faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est de les exploser à chaque fois qu'ils respawnent. Je vais gâcher le suspense, la nucléaire va tomber très très vite. De toute façon, je les enchaîne, ils ne peuvent plus rien faire. Sauf que quand je débloque la nucléaire, je décide volontairement de me tuer et je ne fais plus de kill. J'ai dans l'optique de vouloir réaliser la double nucléaire. J'ai large de temps devant moi pour réaliser une double. Le problème, c'est que quelqu'un d'autre aura décidé de mon sort. Oui,
je me suis fait kick. Le hacker était pas forcément d'accord à ce que je cherche la double nucléaire. En soi, c'est pas grave, le défi est terminé sur Modern Warfare 2 et je peux donc me concentrer sur Modern Warfare 3 2011. Retour sur Modern Warfare 3 avec mon compte. Je joue avec la MP9. Bon, là-dessus, pas besoin de lancer un débat, on est tous d'accord sur le fait que c'est le meilleur pistolet mitrailleur de sa catégorie. Et après toutes les différentes mésaventures que j'ai pu avoir sur les différents jeux, je vais enfin avoir de la chance. Je vais tomber sur un modeur qui va modifier le match à mort par équipe en zone de largage. Béni soient les modeurs qui font tout pour qu'on s'amuse sur les anciens Call of Duty. Et en plus, sur Doom, aka la meilleure map du jeu. Je réalise un premier kill middle map, suivi d'un deuxième, suivi d'un troisième au C4. J'en fume un dans le Dome et je retourne au middle pour réaliser un double kill. Je débloque tous les atouts spécialistes sur un autre double kill. Là, je savais que j'allais pouvoir m'amuser. Je vais dans le bunker et réaliser un kill. Je vais d'ailleurs m'y installer. Un petit chenapan voulait aller au top et je lui en ai interdit l'accès. Je fume un mec sur la position, puis encore un double kill à l'entrée du bunker. Mon objectif maintenant, c'est juste de les enchaîner dans le bunker et autour du bunker, vu que les spawns sont juste à côté de moi. Sauf qu'à un moment donné, je me retrouve sans munitions. Exceptionnellement, je réalise un kill pour récupérer des munitions. Pour le coup, je n'avais vraiment pas le choix. Je tue un mec dans un corner et encore un autre. Je n'ai plus de nouveau de munitions. Je réussis à vider complètement mon chargeur sur un ennemi. Fort heureusement pour moi, je vais trouver un pillard juste en dessous d'un tank. Je retourne dans le bunker et profite de réaliser un nouveau kill. Je tue un mec AFK, on dirait qu'il a accepté son futur sort de se manger la mob. Et finalement, je débloque la mob assez facilement. Tout va plus vite aussi quand il n'y a pas le même matchmaking que sur les jeux d'aujourd'hui. Pour le bien même du défi, je réalise quelques kills supplémentaires pour rattraper mon seul kill à l'ACR de la série. Mais Modern Warfare 3 étant validé, il me manque plus qu'un Call of Duty. AK... Modern Warfare 2019. Je l'ai gardé volontairement celui-là pour la fin. Alors non pas pour la beauté du geste, mais parce que World War 2, Advanced Warfare et Call of Duty Ghost m'avaient traumatisé psychologiquement que je voulais surtout jouer à des Call of Duty plus simples. Pour le choix des pistolets sur Modern Warfare 2019, ce fut assez simple. Mon choix s'est porté sur le Sikov, un pistolet mitrailleur complètement broken. Et tout va se terminer sur la map Gunrunner. Début de game un peu compliqué, ça ne bouge pas beaucoup et c'est assez horrible. Puis c'est là où tout va commencer. Je tue un campeur middle map, je réalise un long shot, je retue un campeur, je fais un sacré enchaînement. Je les ai détruit. Je débloque mon harrié et je suis qu'à quelques kills de ma Vissat. Je tue un premier adversaire, un deuxième et un troisième pour débloquer ma Vissat. Et je dois faire vite car sur ce jeu, la Vissat dure aussi longtemps qu'un drone. Oui, c'est la honte aussi ce jeu là-dessus. J'ai pu réaliser 7 kills avec celui-ci. Et croyez-moi qu'en réalité, je l'ai bien rentabilisé. Pour le coup, je m'étais bien fait plaisir dans leur spawn. La Vissat est terminée et j'ai encore 11 kills à faire. Je réalise ma médaille implacable sur la position B, mais maintenant j'ai un problème. Je ne peux pas faire confiance aux alliés. Ils commencent à se faire déborder de partout. Je décide de me positionner dans le couloir du middle map pour être avantagé. J'entends un mec juste à côté de moi et je le tue. Un mec a essayé de me poche, mais heureusement que je l'ai entendu. Je défends la position A et je le fume. Ils ont toutefois réussi à prendre A, mais je le tue quand même. Un tryhard a voulu lui me poche, mais je le fume aussi. Je sais qu'il est en train de me traquer, alors je l'attends et je le retue. Mais là, je sais que ça commence à devenir beaucoup trop dangereux. Du coup, je me repositionne ailleurs. Je sais qu'il me traque et je réalise un triple kill de nulle part. Tout ce que j'avais besoin en réalité. Je suis à un kill. Je suis extrêmement tendu. Bouge ! Il me manque plus qu'un kill. Je décide d'attendre à côté de B dans le petit couloir. Si par hasard, un petit filou vous les flanque. Et évidemment que... Let's go! Nucléaire! Kit, rage kit, rage kit! Elle est magnifique! Elle est magnifique cette nucléaire! Je termine le challenge. Je l'aurais terminé. Alors même si je passe toujours un mauvais moment sur Call of Duty World War 2 et Call of Duty Ghost, c'est toujours un plaisir de vous ressortir ce concept et aussi que vous l'appréciez. Cela me demande beaucoup de temps, autant pour réaliser les gameplays que pour le montage vidéo derrière. Si t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, écris Gun dans l'espace des commentaires, j'aimerais bien voir tous les fidèles qu'il y aura dans l'espace des commentaires. Et en plus ça m'aide au niveau du référencement, donc n'hésitez pas à le faire. Cependant,
Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai à vous parler et c'est important. Plus on avance dans le temps, et plus il est difficile de trouver du monde sur les anciens Call of Duty, soit normal. Il est possible même que dans un avenir proche, ce genre de défi ne soit plus possible à réaliser. Et je me demande même si ça sera encore faisable l'année prochaine. Ceci est possiblement le dernier dans ce style de concept. Même si, ne vous inquiétez pas, je ferai quand même le même concept, mais en beaucoup plus simplifié. Je passerai sur d'autres défis tout aussi intéressants sur d'autres Call of Duty, mais comme je viens de le dire, il est probable que ça soit le dernier dans ce délire-là. Ce qui m'attriste un peu en vérité. Merci à tous encore de me soutenir chaque jour sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas de lâcher le pouce bleu si ce n'est toujours pas le cas, de me dire aussi si tu as kiffé la vidéo et de me follow sur les différents réseaux sociaux. Comme Twitter par exemple, c'est bon, je ne suis plus Shadowban, c'est terminé. Vous pouvez enfin me follow dessus et trouver mon @. Et puis moi je vous dis bye et à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ciao ciao tout le monde. T'es toujours pas abonné là? Bah tu t'abonnes, primo. Deuxièmement, tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Hein, que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale. Et t'oublie pas de checker les autres vidéos.